Nilimbembeleza, nikambembeleza, akanikata, nikaanguka. C'est parfois difficile à croire, mais les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous rendent la vie misérable. Maureen est une mère qui a traversé l'enfer et en est revenue. Depuis son enfance, elle a été confrontée au pire. Elle s'est mariée à un jeune âge en raison de la situation de sa vie qui l'a obligée à se marier à 15 ans. C'était la seule option pour elle de survivre et elle l'a saisie. Mais ce qu'elle a vécu après ça était indescriptible. Au point que le père des enfants qu'elle aura l'agresse avec une machette jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de perdre la vie. Aujourd'hui, nous sommes au Kenya, dans l'est de l'Afrique, où nous sommes allés chercher Maureen pour qu'elle puisse partager son histoire avec le reste du monde. Quand on a entendu parler de l'histoire de Maureen, c'était vraiment choquant, mais elle était quand même accueillante et heureuse de nous voir. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, c'est une femme tellement adorable. Elle nous a raconté comment tout s'est passé depuis le tout premier jour. Elle s'appelle Maureen Atieno Omolo, elle est la première née d'une famille de 4 personnes. À 9 ans, elle a malheureusement perdu ses parents et est devenue orpheline. Ce qui signifie qu'elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Elle a dû se débrouiller seule pour gérer sa vie et celle de ses frères et sœurs. Mimi ni total orphan. Sina wazazi. Wazazi wangu walikufa nikiwa na miaka 9. Sasa nili struggle na maisha mpaka venye. Ce n'était pas du tout la belle vie et quand elle a eu 15 ans, elle s'est mariée pour avoir quelqu'un pour l'aider à s'occuper de ses frères et sœurs qui étaient très jeunes à l'époque. C'était la seule option que la vie lui offrait. C'est alors qu'elle a rencontré un homme qui va ruiner sa vie. Et depuis, elle n'a jamais eu la paix dans sa vie. Cet homme l'aimait vraiment. C'est tout ce qu'une personne mariée peut vouloir, qu'on l'aime. C'était beaucoup d'amour, mais son mari était très jaloux. Son mari travaillait et faisait de son mieux pour lui donner à manger et prendre soin d'elle. Mais elle n'avait pas le droit de parler à un autre homme dans sa vie. Son mari ne laissait même pas ses amis parler à sa femme. Il était censé être le seul homme dans sa vie. Maureen dit qu'elle avait l'impression d'être prisonnière dans cette maison. Elle lui a parlé en le suppliant pour que la situation puisse changer parce qu'elle méritait ses droits en tant qu'être humain. Mais l'homme a dit que la raison pour laquelle il faisait cela est qu'il l'aimait beaucoup. Il a dit qu'il était amoureux et très jaloux. Il a fait cela parce qu'il ne voulait pas vivre en sachant qu'il y a un autre homme qui a les yeux sur sa femme et qu'il finisse un jour par la lui enlever. Ce serait la pire chose qui puisse lui arriver dans sa vie. Elle dit qu'elle savait que cet homme l'aimait vraiment, mais que c'était devenu plus que normal. Elle a décidé de vivre avec ça en espérant qu'il allait changer un jour. C'est tout ce qu'elle a toujours espéré. Il a dit qu'au lieu de la voir avec un autre homme, il préférait la tuer et que personne d'autre ne l'aurait, si ce n'est lui. Elle pensait qu'il parlait par amour et qu'il ne pouvait pas lui faire du mal, mais elle avait aussi un peu peur. Les années ont passé. Ils ont eu 4 enfants ensemble, 2 filles et 2 garçons. Ils étaient très heureux et bénis de les avoir. Mais plus tard, ils ont perdu leur premier enfant. Il n'en restait que 3 et ils les ont élevés. Après un certain temps, elle lui a dit qu'elle voulait commencer à travailler afin qu'ils puissent avoir assez d'argent pour prendre soin de leurs enfants. Car ils ne gagnaient pas assez d'argent pour s'occuper de toute la famille.
elle pensait qu'il n'allait pas l'autoriser à travailler, mais soudainement il l'a fait. Elle est devenue domestique à Nairobi, la capitale du Kenya, où elle devait y vivre et rendre visite à sa famille de temps en temps. Peu de temps après, elle est partie pour la ville et a commencé à travailler. Après 5 mois de travail, elle est revenue rendre visite à sa famille. Quand elle est revenue à la maison, ce qu'elle a vu était incroyable. Son mari avait déjà une autre femme. Elle a fondu en larmes et a dit qu'elle était venue pour rendre visite aux enfants, mais qu'elle allait retourner à son travail parce que ce n'était plus sa maison. Mais son mari n'était pas d'accord avec ça. Elle était maintenant plus belle que jamais grâce à la bonne vie qu'elle menait en ville. Quand son mari l'a vue, il lui a demandé de revenir et de rester avec lui. Il était prêt à chasser sa nouvelle femme pour Maureen. Non, elle a refusé et est retournée à la ville. Elle était en colère et ne voulait plus jamais les revoir. Selon elle, c'est à ce moment-là que son mari est devenu sans cœur. Il l'a appelée et lui a dit qu'il allait tuer leurs enfants si elle ne revenait pas à la maison. Elle est immédiatement revenue et son mari a décidé de vivre avec ses deux femmes comme ses épouses. Bien que ce ne soit pas facile, car la nouvelle épouse était jalouse et les deux avaient toujours des malentendus. Elle voulait partir, mais son mari lui a promis de la tuer si elle osait. Un jour, elle décida de retourner travailler à Nairobi et ainsi récupérer de l'argent qu'elle était censée recevoir. Elle avait de l'argent là-bas impayé, alors son mari a pensé qu'elle partait pour de bon. Il lui a demandé de préparer un repas avant de partir. Ils étaient assis devant la maison vers 20h le soir. Elle et son mari discutaient joyeusement et elle pensait que tout allait bien. Mais la réalité est que sa deuxième femme était partie chercher une machette et une lampe torche. Cet homme a envoyé un SMS au frère de Maureen et lui a dit que ce jour-là, il allait mettre fin à la vie de Maureen. Son frère a essayé de l'appeler pour la prévenir, mais elle a été frappée avant qu'il puisse la joindre. Ils étaient prêts à mettre fin à sa vie. Elle était assise et a soudain senti quelque chose la heurter, mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle s'est vue tabasser, elle a imploré son pardon, mais il a continué à la découper en morceaux. Elle a senti qu'on lui coupait la main droite, le dos et les épaules. On lui a enlevé un œil et elle a perdu connaissance. Maureen était maintenant à terre, inconsciente. Et quand l'homme a remarqué qu'elle ne respirait plus, il s'est arrêté. L'homme a pris du poison pour pouvoir mourir, mais il n'a pas eu le courage. Il s'est ensuite rendu au poste de police et a raconté ce qu'il avait fait afin qu'il puisse l'arrêter et la sauver à temps parce qu'il ne voulait pas vivre une vie sans Maureen. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais compris son mari. Elle a été amenée d'urgence à l'hôpital. L'autre femme s'est enfuie. Heureusement, elle a survécu et elle vit maintenant avec ses enfants. Elle vend des fruits dans la rue. Mais ce n'est pas suffisant pour s'occuper de ses enfants et payer les loyers de la maison dans laquelle ils vivent aujourd'hui.
La vie de Maureen n'est pas la meilleure en ce moment, car elle a du mal à trouver un emploi en raison de son état. Elle demande de l'aide pour pouvoir s'occuper de ses enfants, ce qui lui sera offert par le biais du lien de Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le commentaire le plus haut par Afromax français. Merci d'avoir regardé. Mon nom est Beckham. N'oubliez pas de vous abonner.